Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Dark14162, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la suite, la cinquième partie sur Resident Evil 3 sur PS1. Et on s'était laissé à la chapelle une fois que dans le beffroi, donc une fois que Carlos a récupéré le vaccin et sauvé Jill. Et malheureusement, nous avons le Nemesis aux fesses qui nous attend déjà. Donc on s'était déjà préparé, il me semble, à la partie précédente. Il nous reste pas mal de choses quand même. Attendez. Juste que je revérifie parce que je vois il me reste une azote. Les poudres, ouais, de toute façon on va récupérer pas mal. Ouais, j'ai encore de quoi crafter, donc ça va. Ça va, on va y aller comme ça de toute façon. Le magnum, on l'a pas encore utilisé, le lance-mine non plus. Ah, le lance-mine, c'est vrai qu'on l'a pas utilisé. Pas grave, de toute façon, on va rester comme ça pour l'instant. Allez. Donc on va éviter de l'affronter quand même parce qu'il est super méga fort hein, avec son tentacule de fou. Alors, attendez, il me semble, je suis pas sûr qu'il y ait une cinématique spéciale. Attendez, je tente un truc. Il me semble qu'il y a une cinématique. Ah, il casse les portes maintenant. Je crois que c'est pareil. Je crois qu'il peut rentrer ici. Non? Il me semblait qu'il pouvait rentrer. Il doit avoir un truc spécial. Si, si, il peut rentrer dans cette pièce, il me semble, et tuer Jill. Ah, bref. Ah, il me semblait, j'étais persuadé. Ou alors, c'est quand elle est contaminée. Peut-être quand elle est contaminée. Wow, joli. Ça va m'embêter longtemps, lui. Donc, du coup. Oh, oui, c'est vrai, il y a la porte. Je pouvais pas profiter. Oh là là, il vient de claquer, il vient de claquer. Bon, je passe à travers le décor, hein, mais bon. Relève-toi. Ouh, j'ai chaud. J'ai eu très chaud. Donc là, on va devoir ressortir pas loin de l'hôpital, hein. Alors là, j'avais eu les trois sprays quand je l'ai battu la dernière fois. Et là, normalement, si on le bat deux fois de plus d'affilée, c'est-à-dire en deux combats, on récupère des pièces pour une carabine très puissante. Mais faut être équipé. Hein. Parce que j'ai eu de la chance, j'ai utilisé le câble pour l'électrifier. À un moment, je sais plus, j'avais fait des trucs pour que. Oula. Qu'il soit assommé, par exemple, dans le restaurant, là, avec le gaz. Donc ça, c'est les choses à faire, hein, bien sûr. Pour gagner du temps et des balles. Mais bon. Et normalement, après la carabine, il me semble qu'il relâche une trousse de 3 soins et après il lance un, il lance un, enfin, il lance, il nous laisse un truc, oh là, qu'on peut associer à une arme pour avoir les munitions infinies sur une arme. Après les munitions infinies, vous pouvez l'avoir avec le mode mercenaire à la fin du jeu, donc c'est pas, ça prend du temps, mais moi je l'avais fait. Peut débloquer pas d'armes, pas mal d'armes et tout. Ah bien ça. Ah, il y en a des trucs. Alors ici, il y a la clé. Le passe-partout, normalement, j'en ai plus besoin. De mémoire. Maintenant qu'on a la clé, c'est bon. J'aurais bien aimé avoir un peu plus de poudre, même si je sais que j'en aurai un peu plus loin. Un autre. Ah si, il y a une photo. Les zombies attaquent. Ok. Donc direction le parc.
Oh, tu peux le viser, s'il te plaît? Hop. Voilà. Oula! Trop rapide. J'aurais peut-être dû esquiver. Hop. On va surfaire de l'azote plus tard, je pense. Ou des balles magnum. Les balles magnum, c'est compliqué à faire. C'est 3 poudres C, c'est-à-dire faut 3A, 3B, tout associé. C'est très rare. J'ai pas changé d'arme. Pardon? Oh, je l'ai one shot? Je l'ai one shot? Alors, c'est la première fois que j'en one shot un avec un gun, sans le faire exprès. Oh! Ah là, je vous cache pas, je suis sur le cul. Ah bah, celle-là, je vais la garder dans les annales. Où je dois aller? C'était là ou pas? Attendez. Ah, tu veux pas me l'indiquer en plus. Il y a deux côtés, je ne sais plus où aller. Il y a des herbes aussi, il faut que j'aille prendre les herbes. C'est pas par là. De mémoire, il y a un truc avec des engrenages. Il y a un mutant ailleurs. Le v'là. Tu veux pas? Tu veux pas venir? Venir me voir. Tant pis, à tout à l'heure. Ah voilà, c'est là. Alors, carte du parc. Putain, encore une zone qu'ils ont pas mis dans le remake, franchement, quoi. Oh, bien, bien, bien. On va tout prendre. Il semble que j'ai des herbes rouges en plus dans le coffre. Ah, quoique non, j'avais tout associé. Ça manque d'herbes rouges quand même. Hein. Il y a beaucoup d'herbes vertes et bleues, mais pas assez de rouges, je trouve. Alors ici, on va faire Mumuse. Alors. Il me semble qu'il faut le faire. Il faut me faire le... Non, c'est pas le premier, ça me... Si, c'est le premier. Je crois que c'est le premier qu'il faut faire. Donc blanc et noir. Ah bah non, ça y est déjà. Il faudrait pas que j'inverse de mémoire. Je vais annuler. J'ai pas fait le bon truc. Attendez. Attendez, là qu'est-ce qui se passe? La fontaine. Attendez. Est-ce que je peux me mettre devant? Non, on voit pas. Attendez. Blanc et noir, c'est déjà dans cette position. Ou alors c'est la dernière, c'est les noirs et les blancs. Non, non, non. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Donc ça c'est pour faire hop hop. Mais j'avais dit si j'inverse. C'est
Je crois que c'est ça, il fallait inverser, il me semble. Ouais, voilà. C'est pas écrit, mais il faut inverser. Il faut mettre les noirs en haut et les blancs en bas. Ah bah non, il est là, regardez. Ah, j'aurais peut-être pu le voir en fait. Il fallait peut-être marcher dedans. Je me souvenais plus. Nous allons descendre. On va courir surtout là. Très rapidement. Vite, 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 vite. Sauvons-nous. Sauvons-nous vite. Voilà pourquoi il y avait des vers. On va prendre le gun ici. Le cimetière, pareil, zone qui n'y est pas. Toute façon, faut aller là, la petite cabane 1. Hein. Oh putain, le con. Oh non, je sais pourquoi. J'ai hésité, je savais pas pourquoi. J'aurais dû y aller. Bon, c'est pas grave, au moins on aura déjà résolu l'énigme. Oh l'arnaque! Je me suis fait avoir. Vous pouvez mourir, messieurs, s'il vous plaît, merci. Ah, il y a des herbes rouges. Oh, j'avais oublié. Attendez, on va les prendre. Moi, bon, les herbes rouges, on fait un soin. Peux-tu essayer de péter une tête? Voilà ce que j'allais dire. Peut-être plus de balles. J'ai plus de balles. Le demi-tour va être compliqué. Et voilà. Ah, je l'avais dit, il allait être compliqué. Bon, allez, hop. Tiens, ça me fait plaisir. Ah, il y a les herbes rouges. Alors, papa, maman, rassurez-vous, je vais bien, hein. Je ne suis pas mort. Si vous avez compris. Punaise. Oh! Qu'est-ce que foutre là, ça là? Là, je vais les associer tout de suite. Tiens, je vais en utiliser une pour. Ah ouais, j'étais faible, mais vraiment faible là. Ah oui! Mais c'est quoi toutes ces araignées qui sont apparues? Elles sont plus vivaces que dans le 2, je trouve. Dans le 2, elles étaient un peu endormies, mais là. Je savais que j'aurais dû aller de l'autre côté, punaise. Mon instinct m'a dit il faut aller là-bas, mais j'ai pas voulu le suivre, mon instinct, j'ai eu tort. J'aurais dû y aller. Ah. S'il me décapite. Mais tu peux viser, s'il te plaît? T'es mort? Non. C'est quoi ce hunter de pacotille? L'autre tout à l'heure, il se prend une balle de pistolet, je fais un headshot. Lui, il se prend une grenade, il meurt. C'est quoi ça? Bon, je pense qu'en sortant, je suis à la limite d'être ok, mais c'est quand même dangereux là où je vais être en plus. On va faire très attention.
Voilà. Ouf, ils sont affreux, ils sont affreux. On va les flinguer au retour, je pense. Oh, le réflexe. Soin. Oh non! J'ai dit soin. Mais non. Bon, écoutez, on va se faire une ellipse alors. On va se retrouver là, ce sera plus simple parce que on va tout refaire. Allez, à tout de suite. Voilà, les amis, on se retrouve comme prévu. Alors, j'ai eu des changements, bizarrement. J'ai refait les mêmes choses et j'ai des choses qui ont changé. Vous savez, dans la petite maison là où je récupère la clé du parc, au début, juste en sortant du beffroi, bah, il y avait des munitions lance-grenades. Et cette fois-ci, j'ai eu deux boîtes de lance-mines. Étonnant. Les hunters, bon, ils sont encore morts en deux balles. Hein. Et là, je vois des zombies. Donc, je ne sais plus quoi penser. Et d'ailleurs, je me suis souvenu du coup que... Attendez, je vois s'il y a des mutants. Je me suis souvenu de la cinématique dont je vous parlais avec Jill qui meurt, avec le Nemesis qui rentre dans le... dans la pièce où il y avait Jill. Voilà, je me suis souvenu. En fait, ça se passe quand Jill est empoisonnée. Et quand vous revenez avec le vaccin avec Carlos, le Nemesis vous suit. Et à un moment, si vous le laissez faire, vous détournez la fin. Vous vous mettez en retrait, lui va commencer à taper la porte avec ses tentacules. Et s'il y parvient, il tue Jill. Donc ça fait une petite cinématique cachée. Ah, encore derrière. Bon, du coup, il me reste deux balles. Alors, je suis pas allé au cimetière, hein, pas encore. J'ai fait ce qu'il fallait, mais j'ai pas fait le cimetière. Oh, c'est des chiens. L'esquive, à chaque fois, j'oublie d'utiliser. Et des fois, c'est assez compliqué de l'utiliser. Donc, j'appuie comme un malade sur le bouton, mais ça se fait tout seul. Si ça pouvait me le faire aussi facilement avec le Nemesis, ce serait super. Alors, ici, normalement, on a des balles. Non, c'est pas des fusils. Ah non, non, c'est pas là. Fusil à pompe, j'allais dire, mais non. Voilà, c'est ça. Fallait la clé du parc. Ordre. Je vous laisse faire pause. Voilà. Et là-bas, je peux pas y aller. Mais il y a un truc sur le cadavre. Je pense que c'est des fusils à pompe. Ah non, des balles magnum. Merci copain. Alors là, je peux toujours pas y aller. Voilà, c'est bon, on va pouvoir retourner au cimetière et ouvrir la cabane qui était au fond. Voilà. Est-ce qu'il va y avoir les glougloops? Hop, déguiseur, il y en avait encore. Et pour après, allez. Vas-y, c'est pour moi, c'est cadeau, ça me fait plaisir. De toute façon, oh, je vais bientôt sortir le lance-mine, vu les balles que j'ai 30 mines. On va pas tarder à le sortir. Voilà, ici il n'y a plus rien, c'est réglé. J'ai déjà fait la fontaine, on va juste aller aux égouts et dans le parc, on va récupérer nos petites herbes rouges. Ça vient sur nous. Il va falloir qu'on se crafte juste après, hein. Il va falloir qu'on crée des balles, c'est obligé. J'ai pas envie d'utiliser des munitions lance-grenades pour les pacotilles.
Ça, c'était une bonne idée aussi, les zombies planqués là, franchement. Ils se relèvent de leur tombe. Mais non. Je me suis trompé, j'ai mis examiner. Non, j'ai mis associé. On va les flinguer tout de suite. Oh. Voilà. Ça, on est fixé. Si un hunter, ça meurt avec une grenade et deux balles de pistolet ou une, comme tout à l'heure. J'ai refait le coup, hein, en deux balles et l'autre en quatre balles. Hein. Les zombies, ça doit mourir. Oh, il est pas mort. Couché. Ne me prenez pas la tête. Est-ce qu'on met une grenade? 14, ça va. Plus tout ce que j'ai dans le coffre. Alors ici, nous allons faire Mumuse. Petite énigme. C'est même pas une énigme. Hein. Attendez. Hop, ça me gêne. Merci. Hop. Ah, excusez-moi. Voilà. Alors, tout de suite. Alors, on va pas faire ça tout de suite. La barre de fer, on va la prendre. Problème avec le micro là, qu'est-ce qui se passe? Peut-être mieux comme ça. Voilà. Alors, je disais, la barre de fer. On va aller à la salle au fond tout de suite parce que j'ai pas assez de place dans l'inventaire. Mais heureusement, nous avons un coffre encore. Il y a 50 000 coffres dans ce jeu quand même. On a tous les coins de rue. Ici, un spray. Oh! Ah bah il me l'a associé directement en kit, c'est super. Du coup, on va peut-être ranger les sprays pour l'instant. L'azote, pareil. On va se garder. Ah, on va se garder les deux quand même. Les balles magnum, on va les ranger. Mon pistolet. Ah, plus besoin, hein, parce que de toute façon, là, je suis un peu foutu. On va. On va se prendre le lance-mine et toutes les mines que j'ai. On va casser des têtes. Façon, faut que j'aille chercher les poudres, donc je vois pas pourquoi je m'embête. On va faire quelque chose d'important. Briquet, il est où? Briquet. Voilà. Comme ça, je vais récupérer les poudres et après, on va se crafter un petit peu. Je pense qu'on va ressortir un peu le fusil à pompe. Maintenant qu'on n'a plus le pistolet. Ça. Se fait un petit feu. Oui. Ça, on va péter le mur du coup, comme il y a de la lumière derrière. Là, ça craignait pas de faire un feu avec sa d'épaisseur, juste une brique. On va. S'il te plaît, merci. Je pensais qu'il y avait plus de poudre quand même. Je savais qu'il y avait les deux, A et B, mais. Attendez, à plus. Alors, on avait dit qu'il fallait faire des balles de pompe, ça c'est sûr. Si je pouvais en avoir à peu près 14, ce serait pas mal.
Alors on va réfléchir, on va voir ce qu'on a, on va ranger tout ce qu'on a plus besoin. Ok, bon, en gros on a besoin de tout. Déjà, en plus on va prendre ça. Alors, deux. Alors les poudres A, malheureusement, ça me servira plus à grand chose sur les pistolets, je compte plus l'utiliser. Alors je réfléchis parce que là, en poudre B, c'est surtout la B qu'il me faut. Mais j'en ai que 3 après. Bon, écoutez, on va déjà se crafter ça, on va voir. On va associer deux poudres B, on va se faire ça. Poudre BB, combien de balles? 20. Ah, 20, je m'attendais à une dizaine, tu vois. Ah. Donc ça déjà. C'est très bien. Du coup, là, si je veux, je peux recréer même des balles Magnum. Mais il ne me resterait qu'une poudre A. C'est peut-être pas le but à ce moment de la partie. Ou alors, est-ce qu'on se ferait pas. Est-ce qu'on se ferait pas. Grenade. Que je fais de l'azote. Ce l'azote était très fort, hein, franchement. Acide, c'est bien, mais pas assez. On va se faire de l'azote. Mais non, j'ai mis examiner. Si je fais de la poudre CC, ça fait quoi? CC que j'additionne à ça, c'est plus fort? Je tente. Ah oui, je peux risquer, attendez. C'est assez risqué, attendez 2 secondes. Je teste, je vais voir sur internet vite fait. Bon alors, écoutez, j'ai pas trouvé. J'ai juste vu que les grenades plus de la C, ça me crée des balles grenades à l'azote, mais on va essayer. Écoutez, on prend le risque. Poudre CC. Moment de vérité, est-ce qu'on peut? Oh l'arnaque! Enfin, c'est pas une arnaque, c'est excellent. J'ai utilisé 6 grenades sur les grenades que j'avais, les 18, j'en ai gagné 13. Vous avez vu ça, les gars? Attendez. Oh, le truc! Bah, là, A, moi, j'utilise plus la poudre A. Attendez, mais je vais pas me faire chier. Je fais AA. Voilà. Toutes les grenades de fou. Manque plus que de l'acide, on est bon. Bah écoutez, on va rester comme ça, c'est très bien, moi je trouve. Donc du coup, on va ranger quelques grenades quand même. Bon, c'est bon, les gars, on a pillé le jeu, on a des balles. Là, c'est bon. On fait ça. On va les ranger, celles-là. À l'azote aussi pour l'instant, vu que j'en aurais pas besoin. On va garder tout le reste et on va se. Alors j'ai vu, attendez. J'ai pas une herbe verte? Il me semblait avoir vu une herbe verte quelque part. En haut peut-être. Oh oui, j'ai encore une azote ici, attendez. On est super bien là. Et là, normalement, aussi, comparé à RE3, là, c'est pas la même mixture. Là, ça change d'apparence. Voilà, c'est un gros caca. Ça donne cette couleur.
Parfait, on va la garder de côté si je suis empoisonné au cas où. On va prendre des soins du coup pour le combat. Oh la violence! Je suis pété, ça y est en fait. Ah ouais, ça consomme moins en fait. Donc, en gros, pareil, si j'additionne 3A ou 3B, je vais avoir des acides et des machins de fou en fait. Hein, sans dire, il n'y a que les. Ah bah non, même l'azote, je peux combiner les trois tant que je combine pas à la machine pour avoir des balles magnum. Alors allons-y, fouillons un peu. Il y a des choses à fouiller ici. Alors, une clé du parc, ça c'est ce qu'il me faut pour accéder à la suite. Oh, attendez. Merci. Oh les gars, mais franchement, fallait pas. Vous êtes tellement gentils. Ici. Alors, rapport du superviseur, je vous laisse faire pause comme d'habitude. Ici dans le manteau, ah, un ruban, je m'en fous le ruban. Ici l'objectif, je crois, c'est la mission des. Ça doit être ça. Allez, donc ça là-bas, c'est une radio inutilisable. Ah, ici il y a un mec. Non, y a rien. Ok, on sort. Et voilà. All supervisors, mission terminated. Return immediately. Repeat. All supervisors, return immediately. Over. J'ai bien équipé le pompe, c'est ça. Et ben allons-y gaiement. I'm quite impressed you've managed to stay alive up until now. And you seem to be doing a pretty good job of looking out for yourself. How about helping out? I have no intention of helping you. Because we're nothing but pawns in all this? In a manner of speaking, you are. Our employers wanted a detailed analysis of the zombie beings which were created through infection by the T-virus. You're saying that they deliberately sent in a military unit to be butchered by their creations? Not exactly. Although the conditions encountered on this operation were extreme, it was an unexpected outcome that the team would be wiped out. We were only required to collect live data from the subjects. Ah! Another mutant! Okay. Bon, on va y aller. Par contre, tout à l'heure, pour la mort, je suis complètement dégoûté de la mort que j'ai eue parce que avant de me faire décapiter, j'arrêtais pas d'appuyer. J'appuyais à mort sur le bouton de l'inventaire pour me soigner parce que je sentais que j'allais mourir et j'ai rien pu faire. Allez, on y va. Mais ces copains qu'on avait vu tout à l'heure à Raccoon City. Allez. Hop. Il est juste là. Ah, il m'a coincé. Ben non, t'abuses. Dégage. La chance, je suis pas blessé. Là, je suis blessé. Ah non, je peux le dégommer, ça. Vite, parons-nous.
Ah, je suis coincé derrière. Encore mieux. Bon, bah allez, tu me laisses pas le choix. Ça m'a saoulé. Je suis bloqué. Allez. Là, elle est vivace. Normalement, les lampadaires, on peut les faire tomber dans l'eau et ça le grille, quoi. Je l'ai eu? Ah bah oui, je l'ai eu. Ah non, je l'ai pas eu, j'ai pas fini. Ah bah voilà, c'est pour ça. Ok. Ça, c'est un indice, ça veut dire venez m'éclater. Allons-y gaiement. Oh. J'ai raté. Ah, il est en train de griller, j'ai l'impression. Bah voilà, je l'ai éclaté. Il est en train de griller en effet. Allez, au revoir le verre. Et voilà, encore une fois, un boss qui n'y est pas non plus dans le remake. Et voilà. C'est de la merde. Allez, on sort. Hop, 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 hop. Ah, ça y a les araignées. Ah non? Ah non, il n'y a pas d'araignée. Là, c'est les sangsues. Dégagez. Voilà. Allez. Donc on va pouvoir passer là de côté et arriver donc au labo, le fameux labo d'Umbrella. Oh, mais ils sortent d'où tout cela? Bon alors copain, je vais péter les jambes. Et je me fiche totalement de vous. Allez. Ok, on va quand même faire attention parce qu'on est faible. Et ici, on va avoir droit à un nouveau choix, le choix de la fin du jeu. Parce qu'on va avoir accès au labo par deux entrées, plus ou moins difficiles. Et moi, je vais prendre la fin difficile parce qu'en plus, on va pouvoir se battre contre Nikolai. On va dire ça comme ça. Clé utilisée. En fait, la fin que je vais pas prendre, c'est que Nikolai se fait tuer par le Nemesis à un moment où il essaie de nous tuer. Voilà. Mais moi, je vais prendre l'autre fin où Nikolai survit et que c'est moi qui vais m'occuper de lui. J'ai envie de m'en occuper de ce guignol. Donc du coup, on garde le pompe pour l'instant. On va essayer de trouver une sauvegarde. Ici, il n'y a rien. On y va. Non. Si. Voilà, le choix qui affecte la fin du jeu. Donc nous, on va prendre... sauter du pont qui sera plus difficile.
voyez, là, le Némésis, il est encore normal. Alors que dans le remake, juste au moment où Jill se fait empoisonner, déjà, il est dégueulasse. On dirait William Birkin. Donc c'est dégueulasse. Voilà. Bon, je sais plus où j'ai une sauvegarde ici, c'est assez loin. Quoique non, il y a vraiment une salle de sauvegarde en fait, je pense. Non, c'est bon. On va pouvoir y aller. Il doit être pas très loin, ici ou après. Ici, bah c'est parfait. On va prendre les documents, tout ce qu'il y a à prendre, et après, on va se laisser pour une dernière partie. Consigne de sécurité. Attendez, je regarde s'il n'y a pas des trucs importants. Ah non, parce qu'il y avait une énigme super chiante, mais j'y casse. Alors, on va prendre l'échantillon d'eau. Parce que pour certaines portes, maintenant, il faut que l'eau soit pure. Il faut qu'on fasse un truc spécial avec l'eau. La malle est derrière. Est-ce que j'ai la save? Oui. Parfait. Donc, à partir de là, le fusil, on va peut-être le garder, ça. Lance-mine, oui, du coup. On va faire péter des choses, moi ça m'amuse. Et... J'ai envie de dire, on va changer de grenade. Voilà. On va prendre les grenades incendiaires. On va changer un peu. Voilà, on garde un soin avec nous. On garde ça. Voilà, c'est très bien pour la suite. Petite sauvegarde. Voilà les amis. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette partie. Donc c'était une partie, grosse partie sur le parc surtout. Bon, j'ai pris mon temps, hein, je vous le cache pas. En plus, je suis mort une fois. Donc... Mais je prends mon temps dans ce let's play. Hein, sinon, je pourrais faire plus vite. Maintenant que je me souviens. Et surtout, éviter le Némésis à chaque fois. Hein. Donc voilà, on se laisse là. J'espère que vous avez aimé cette partie, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à liker. Mettez la cloche des notifications. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et ciao, bye bye tout le monde, et portez-vous bien.